j'aimerais utiliser un, un outil, un objet de la vie courante que presque je pense presque tout le monde doit posséder, que je pense tout le monde possède, utilise régulièrement pour nous parler un peu de choses essentielles de la vie chrétienne. Il paraît qu'on en vend 54 par seconde sur le, dans le monde. Donc j'ai fait un petit calcul, 54 par seconde, ça fait... Euh, plus de 300 par minute, ça fait euh, 18 000 par heure, je pense. C'est quand même énorme, et euh, ça circule. Enfin, euh, tout le monde possède cela. C'est un instrument qui a changé, changé, révolutionné, je vais dire peut-être même. C'est une des inventions les plus révolutionnaires du XXe siècle. C'est le téléphone, mais plus précisément le smartphone. Qui n'a pas de smartphone Est-ce qu'il y a un extraterrestre Ici, dans cette salle, ou à Bethel, je ne sais pas, qui n'a pas de smartphone. Voilà, nous avons un merveilleux extraterrestre, Rosa. Ah, il y en a quand même plusieurs. Bienvenue sur la Terre. Je ne sais pas si à Manage il y en a, probablement, mais il y en a peu, il faut avouer. Tous, nous possédons un GSM de plus en plus jeune, de plus en plus tôt. On est parfois étonné de voir des enfants venir à l'école en primaire avec déjà des GSM qui valent votre salaire mensuel. Vous vous demandez comment ils font Le GSM, le smartphone. Mais en pensant cette semaine à ce GSM, à ce smartphone, j'ai réalisé qu'on pouvait faire plusieurs analogies avec la vie chrétienne, avec cet objet. Alors, ça reste que des analogies, ça reste que des images, il faut les prendre pour ce que c'est. Mais j'aimerais quand même vous partager quelques pensées autour de ce, smart ce smartphone. Je pense que ça va particulièrement peut-être parler aux jeunes qui, qui naissent greffés maintenant au smartphone. C'est collé dans leur main je sais pas comment. C'est pour ça qu'ils inventent maintenant des smartphones waterproof, pour qu'ils puissent aller à la douche avec, sans s'en séparer. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je me rends compte que de temps en temps très bien de l'éteindre, moi aussi. Alors parlons de ce GSM et comparons-le à notre vie chrétienne. Premièrement, premier, pre, premier point que je veux soulever, c'est dire simplement que cet outil, il a été inventé pour nous aider à communiquer mieux, à communiquer avec quelqu'un qui n'est pas à côté de nous, même si parfois à la maison, maintenant, on utilise le GSM pour faire descendre les garçons, hein, Michel. C'est déjà arrivé même que dans une réunion de famille, on fait semblant d'envoyer un SMS à quelqu'un qui est assis à la table en face de nous pour attirer son attention. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais à la base, le GSM est inventé pour communiquer avec quelqu'un qui est loin. Et ça m'a fait penser à cette communication qui a été rétablie entre Dieu et moi. Il était loin, j'étais loin, la communication entre nous était coupée. Il était impossible. De parler avec lui et au travers de Jésus, au travers de la réconciliation que Christ a faite, il est venu accomplir pour moi, la relation, la communication est possible à nouveau. Je pense à ce verset que certains connaissent de Jérémie où Dieu dit « Appelle-moi et je te répondrai. » C'est marrant, oui, merci Philippe, j'attendais ça. C'est quand même étonnant qu'il y a des milliers d'années de cela. Dieu déjà nous disait, appelle-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Dieu nous appelle encore. Dieu nous dit, appelle-moi et je te répondrai. Dieu nous appelle aussi régulièrement. Dans l'épître aux Corinthiens, nous lisons alors, si quelqu'un est uni au Christ, il a été créé nouveau. Ce qui est ancien est fini qui est nouveau est là tout cela vient de dieu il nous a réconciliés avec lui par le christ et il nous a donné, demandé d'annoncer cette réconciliation oui c'est dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le christ il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il ne nous charge il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation dieu rétablit la communication et en fait en naissant nouveau c'est comme si dieu m'offrait un GSM. C'est comme si Dieu me disait Tiens, maintenant, tu peux m'appeler et je te répondrai. C'est extraordinaire de, de réaliser cela. C'est comme si on avait reçu un nouveau GSM et, et enfin la possibilité de communiquer et de parler de nouveau avec Dieu. C'est donc un outil qui peut être d'une très grande utilité pour nous, le chrétien. Pensez à tous ces moments où vous êtes loin. Moi, parfois, je réalise là, je suis au, au Togo, je suis à l'étranger et puis j'ai envie d'entendre la voix de ma femme. Il suffit de composer un numéro. Et on est séparés de milliers de kilomètres et c'est comme si on se parlait là. C'est incroyable, ces pro progrès technologiques. Je pensais à ces missionnaires qui prenaient le bateau au 15e, au 16e siècle, au 17e siècle, qui prenaient le bateau pour aller aux Amériques, pour aller en Afrique. Ils mouraient sur le bateau. La veuve refaisait, recevait des nouvelles du décès. Six mois après, aujourd'hui, tout est dans l'instantané. Dieu a rétabli la communication, frères et sœurs, pour que chacun d'entre nous nous puissions faire appel à lui et pas recevoir une réponse six mois après. Mais il veut nous répondre directement. Ainsi, le but de la nouvelle naissance, c'est que tu puisses être en relation, en communication avec Dieu. Lui peut te parler et toi, tu peux lui parler et tout cela c'est possible par un super opérateur qui s'appelle non orange proximus ou bèze mais qui s'appelle jésus un super opérateur le seul opérateur qui permette d'appeler dieu gratuitement sans limite et son slogan à jésus son slogan publicitaire c'est le chemin la vérité la vie c'est moi personne ne peut Allez au Père sans passer par moi. Ce n'est pas extraordinaire, cet opérateur. Il existe beaucoup d'autres opérateurs qui proposent une communication avec Dieu aujourd'hui, mais il faut payer bien cher. Et puis ça sonne toujours occupé, il n'y a jamais personne qui répond. Utilisez le bon opérateur, frères et sœurs. Il n'y en a qu'un qui fonctionne. De plus, toutes les lignes que nous avons avec Dieu pour appeler au ciel sont ouvertes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et vous bénéficiez, grâce à Jésus, d'un forfait limité. C'est pas bien ça? Il y a des numéros à composer. Quand vous êtes triste, vous composez Jean 14. Quand les gens parlent contre vous, composez le psaume 27. Quand vous êtes énervé, composez le psaume 51. Quand vous êtes inquiet, composez le psaume 46, ou Matthieu 6, ou Philippiens 4. Quand vous, Dieu vous semble loin, composez le psaume 63. Quand vous vous sentez en danger, composez le psaume 91. Quand votre foi a besoin d'être fortifiée, composez Hébreu 11. Quand vous êtes solitaire, apeuré, composez le psaume 22. Et il y a une longue liste comme ça, vous n'allez qu'avoir sur Internet. Tapez les numéros à composer pour trouver Dieu et vous verrez qu'il y a toute une liste qui existe. Donc, un, Dieu rétablit la communication avec nous. C'est ce que le GSM me rappelle. Deuxièmement, un GSM, ça se recharge. Vous le savez tous, plus vous allez l'utiliser dans la journée, plus vite il va se vider et plus vite il faudra le recharger. C'est aussi une belle image pour nous dans la vie chrétienne. Nous devons nous aussi veiller à recharger nos batteries spirituelles tous les jours, peut-être parfois plusieurs fois par jour, en fonction du combat que tu mènes, en fonction... Des activités que tu traites en fonction des choses que tu fais. Peut-être qu'il est nécessaire de recharger tes batteries plusieurs fois. On voit ça de plus en plus souvent dans les aéroports, parfois même dans les prises de l'église. Des gens qui arrivent le matin et qui doivent déjà recharger. Un spécialiste comme ça, un stagiaire Russie. La première chose qu'il arrive quand il vient au bureau, c'est squatter mon chargeur GSM pour recharger le sien. Je suppose qu'il doit l'utiliser beaucoup. J'espère qu'il fait la même chose spirituellement. Ne buvez pas trop de vin, disait l'apôtre Paul, et nous encouragez de nous remplir d'autres choses. La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est ça notre énergie. C'est lui notre énergie. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a ici, au milieu de nous, ou bien à Manage, Bethel, est-ce qu'il y en a qui jettent leur GSM une fois qu'il est déchargé pour aller en acheter un autre Ben non, Ce serait débile de faire un truc pareil. Est-ce qu'il y en a qui blâment l'opérateur Proximus ou BES parce que leur GSM est déchargé Ben non. Quand mon GSM est déchargé, je le recharge. D'ailleurs, généralement, dans la boîte, quand on l'ouvre, on trouve le GSM et le ah donc le chargeur ça a une utilité frère tu savais ça il vient de découvrir un truc le chargeur c'est pour recharger le gsm pour certains je suis sûr que c'est une bonne nouvelle lilia est toute contente elle vient aussi de découvrir un truc le chargeur est fourni avec le gsm frères et sœurs dans la vie chrétienne nous recevons nous aussi non seulement le GSM, mais aussi le chargeur. Et nous sommes invités à le recharger, à nous recharger régulièrement, à venir régulièrement dans la présence de Dieu pour nous recharger. Nous sommes invités à nous brancher sur le réseau électrique de Dieu. C'est gratuit et ça recharge hyper vite, c'est hyper rapide, hyper efficace. Jamais de blackout. Toi aussi, tu as besoin de t'arrêter pour recharger tes batteries. Je crois que ce matin, le Seigneur dit peut-être à certains d'entre vous, tu as besoin de t'arrêter pour recharger tes batteries. Moi, je peux vous dire qu'il est en train de me le dire. J'ai besoin de recharger mes batteries. Qu'est-ce qui se passe si on tarde à recharger son GSM Si on attend, on attend, on attend, il finit par s'éteindre. Il n'y a rien de plus malheureux qu'un chrétien qui s'éteint. Il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus désolant un chrétien qui s'éteint parce qu'il a oublié de se recharger. C'était le point 2. Troisièmement, lorsqu'on a un GSM, on reçoit des notifications de temps en temps, en tout cas sur Apple, ça fonctionne, je suis sûr, moi j'ai un iPhone, je suis sûr qu'on reçoit des Je suis passé de PC à Mac depuis pas mal de temps, je ne le regrette pas, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi Parce que le salaire du PC, c'est la mort. Alors j'ai préféré passer ces Mac. Fallait que je le passe quelque part. J'avais promis à Sébastien. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi je suis chez Apple. Oui. tu t'as pas compris. Le salaire du PC, c'est la mort. C'est un verset de la Bible, hein, pour ceux qui savent pas. Sur nos GSM, nous recevons des annotations qui nous disent il est temps de faire des mises à jour. Waouh. Ça aussi, ça m'interpelle les mises à jour. Il y a deux types de mises à jour. En français, on dit mise à jour pour tout. En réalité, il y a deux mots. En anglais, il y a les update et il y a, excuse-moi, chérie, les upgrade. Je ne sais pas si je le dis comme tu le dirais, mais je fais de mon mieux. En fait, on pourrait dire qu'il y a les mises à jour et les mises à niveau. Ce sont deux choses différentes. On pourrait parler de mises à jour mineures et de mises à jour majeures. Les mises à jour mineures, ce sont des annotations que le constructeur vous envoie parce qu'il y a des bugs dans le programme. Il y a des défaillances dans le programme, ou parfois on vous dit il y a des failles de sécurité dans le programme. Des gens pourraient s'introduire dans vos données. Alors on propose des mises à jour mineures. On vous encourage vivement à faire parce que ça protège votre téléphone, votre vie privée, et ça permet aussi de réparer des défaillances et des bugs. Je pense que dans la marche chrétienne, de temps en temps, nous aussi. Nous avons besoin de faire des mises à jour mineures. Je pense que de temps en temps, Dieu met son doigt sur des failles de sécurité dans nos vies. Dieu met le doigt sur des bugs, des choses qui ne tournent pas comme lui voudrait que ça tourne, et il voudrait les corriger. Ne nions pas ces moments-là, ces moments parfois difficiles même, où Dieu nous corrige. Hébreu 12 nous dit, en combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Et Dieu dit ceci, mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Acceptons les mises à jour mineures dans nos vies. Acceptons lorsque le Seigneur montre un bug dans mon comportement, un bug dans ma manière de penser, un bug dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler. Et disons, Seigneur, oui, faites ta mise à jour. faites ta mise à jour, Seigneur. Et puis de temps en temps, il y a des mises à jour majeures. Celles-là, moi, je les guette. Je scrute après ces mises à jour majeures. Quand on est passé de OS10 à OS11 sur les iPhones, il y a eu plein de nouvelles applications. Il y a eu plein de nouveautés. Et quand on aime la nouveauté, eh bien, on est pressé de faire cette mise à jour majeure. Je suis tellement pressé que moi, je m'étais inscrit dans les versions bêta. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Je vous apprends plein de choses ce matin. Hein. Il y a moyen sur Apple d'être assez fou pour dire, moi, je suis testeur bêta. Je suis prêt à prendre le risque d'essayer avant tous les autres la toute nouvelle version, même si elle est encore instable, même s'il y a encore des risques et que je risque de perdre toutes mes données. Pendant un temps, j'étais même inscrit à ça, pour être le premier à recevoir la nouvelle version. C'est intéressant les mises à jour majeures parce qu'à travers des mises à jour majeures eh bien le téléphone reçoit de nouvelles fonctionnalités il y a de nouvelles applications on peut faire plus de choses plus de choses nouvelles et dans notre marche chrétienne je pense que de temps en temps lorsque nous grandissons avec le seigneur lorsque nous grandissons et prenons de la maturité nous pouvons nous aussi vivre des mises à jour majeures Dieu peut nous ouvrir de nouvelles portes Dieu peut nous donner de nouveaux dons Dieu nous donnait de nouvelles perspectives de service dans le royaume. Voilà à quoi me font penser les mises à jour sur mon téléphone. Vous me direz, il a fumé la moquette cette semaine, le pasteur. Peut-être, je ne sais pas. Enfin aussi, quatrièmement, dans un smartphone, il y a des applications. Vous recevez leur smartphone avec quelques applications. Après un an... Il y a une vingtaine d'applications. Après deux ans, il y a une centaine d'applications. Et plus le temps passe, et plus le nombre d'applications augmente dans votre, votre smartphone. Les jeunes, vous me suivez Combien d'applications il y a sur le tien Combien de pages tu as, Nathan Pas plus. Ça, c'est un homme sérieux. Voilà. On a quand même des jeunes sérieux. Hein il a la Bible. C'est vrai que... On peut installer la Bible, on peut installer plein de bonnes choses. Il y a plein de choses intéressantes sur le smartphone, mais il faut bien avouer aussi qu'avec le temps, il y a aussi plein de choses inutiles qui s'installent, plein de choses qui viennent nous distraire, plein de choses qui déchargent la batterie. Il y a pas longtemps, je dis mais qu'est-ce qui se passe avec mon GSM Je, je le chargeais 100% à 8 heures, il restait 20% à midi. J'ai fait quelques recherches et je me suis ré réalisé qu'il y avait des applications qui tournaient en arrière-plan, à mon insu, et qui sans arrêt faisait appel au, au Wi-Fi, euh, au réseau pour, pour charger des... J'ai donc coupé toutes ces choses et mon GSM m'a retrouvé une autonomie normale. Dans nos vies, frères et sœurs, il y a parfois des choses qui tournent en arrière-fond et qui nous mangent toute notre énergie. Et on se dit, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je suis comme ça si vite découragé, si vite fatigué, si vite au bout, peut-être qu'il y a des applications qui tournent en arrière-plan, en arrière-fond, il te faut déconnecter. De plus en plus d'applications qui me mangent la batterie, des applications qui ne servent à rien, si ce n'est à me distraire, à me manger mon temps. Et finalement, des applications qui détournent cet objet de son usage premier. Parce que l'usage premier du smartphone, c'est de communiquer, n'est-ce pas Mais finalement, nous l'utilisons pour jouer, nous l'utilisons pour lire des, des nouvelles, nous l'utilisons pour regarder du foot, pour regarder les résultats, nous l'utilisons pour lire la Bible, nous l'utilisons pour faire plein de choses différentes, mais très peu pour communiquer. Les gens, les spécialistes, disent qu'on n'a jamais communiqué aussi mal qu'aujourd'hui. Et pourtant, nous avons tous les outils pour le faire et nous le faisons si mal. Frères et sœurs, dans nos vies chrétiennes, parfois, on peut être tellement embarqué, impliqué, embrigadé même dans toutes sortes d'activités différentes, d'applications différentes, qu'on perd la communication. On perd l'essentiel. Et on est très occupé. On est très occupé pour Dieu. On fait plein de choses, mais on perd l'essentiel. Dieu ne m'a pas donné un smartphone pour que je me perde dans toutes sortes d'applications. Il m'a donné un smartphone pour que je sois en communication avec lui. Amen. Cet outil de communication peut devenir. Un outil qui nous sépare les uns des autres, Il peut devenir un objet qui nous sépare de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Et je pense que vous comprenez vous-même toutes sortes d'analogies, toutes choses de leçons qu'on peut tirer de cela. Je crois qu'il est utile régulièrement de prendre le temps de trier nos applications, de faire du tri dans ce qui nous mange du temps et de l'énergie. Là, je ne parle plus du GSM, bien sûr, il faut le faire aussi dans le GSM, mais je parle de nos vies spirituelles. Est-ce que Christ occupe bien la première place Ou est-ce qu'il y a plein d'autres applications qui sont venues prendre le dessus et me mangent tout mon temps, me mangent toute mon énergie Parfois, il m'arrive, lorsque je me rends compte que mon GSM est vraiment trop chargé, que c'est bug sur bug, que problème sur problème, que, 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 que ça tourne plus rond, je fais un reboot complet. J'enlève tout et je le remets aux fonctionnalités d'usine. Vous connaissez ça? Parfois, il est spirituellement utile de faire un reboot et de revenir à l'essentiel, de revenir à ce que le Créateur avait prévu au départ, à, ce, à comment il t'avait conçu au départ, sans toutes ces choses qui sont venues se greffer après. Et après, avec. L'aide du Saint-Esprit, tu peux reprendre l'une ou l'autre application. C'est ce que je fais. J'enlève tout, je nettoie tout, je le retrouve comme à l'origine, et ensuite je dis bon, ok, qu'est-ce que j'utilise vraiment La Bible, mon application bancaire, Dans ce machin-là, j'ai jamais utilisé. Non, je, je refuse de le remettre. Je perds mon temps. Voilà, on prend des décisions. Mais parfois, spirituellement, frères et sœurs, il est bon de faire cela aussi. David faisait déjà cela avant l'invention du smartphone. Ô oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. manche. Je, je termine avec celui-là. Parfois, mince si c'est pas cassé, ça m'aurait arrangé. Mais parfois le GSM tombe par terre. Et l'écran se brise. Ça vous est déjà arrivé de le laisser tomber et de vous dire Oh là là de vous demander Ouf Mais parfois c'est mince ah, La vitre s'est cassée. La vitre s'est cassée. Parfois La vie est dure. Parfois nous passons par des moments difficiles. Des moments où vous avez l'impression d'être brisé, des moments où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous dites, mais pourquoi Dieu Vous avez l'impression que votre vie est brisée. Parfois vous péchez, vous tombez, et vous péchez, vous entrez dans le péché. Et vous vous sentez brisé pour une autre raison encore. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que Jésus est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des vitres brisées. Il est celui qui a payé sur la croix pour pouvoir nous réparer. Il peut tout réparer. En stock, il a les modèles de tous les écrans qui existent et qui sont possibles. Il n'y a jamais de rupture de stock avec lui. Il y a toujours moyen de venir à lui en disant, Jésus, j'ai brisé mon écran. Est-ce que tu peux m'en donner un nouveau c'est lui le créateur. C'est lui qui t'a fait. Il a des pièces de stock. Pourquoi acheter sur Amazon ou sur AliExpress Ali ou Alibaba, je ne sais plus, des écrans bon marché made in China, des faux écrans, des écrans pour faire semblant? alors qu'on peut recevoir un écran d'origine et neuf. Matthieu 12 nous dit, il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Et Jean 2 nous dit, mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le Juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi ceux du monde entier. Rappelons-nous qu'il existe aussi des coques de protection pour nos GSM. Des protections pour l'écran. Ça aussi, on pourrait, je ne vais pas aller plus loin, mais on pourrait en tirer des analogies. Frères et sœurs, nous sommes des protections les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que tu as un ami dans l'église? Est-ce que tu as un frère, une sœur chez qui tu peux aller pour pleurer, pour être vrai, pour pouvoir lui dire j'ai besoin que tu me portes dans la prière? Chez qui vous pouvez ouvrir votre cœur et décharger votre chagrin, lui dire vos peurs, lui dire vos colères, lui dire vos angoisses? J'espère que tu as, des, tu as des coques de protection pour ton GSM. Nous en avons besoin. Un GSM qui veut vivre sa vie tout seul, c'est un GSM qui se met en danger. Mais un GSM qui se met dans la coque de protection de la communion fraternelle, c'est un GSM qui est protégé. Il ne va pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord Tous ceux qui sont ici dans l'Église, excusez-moi, ne sont pas nécessairement dignes de confiance. C'est moche à entendre, mais c'est la vérité. Alors, faut la dire. Et trouve quelqu'un qui est vraiment un frère d'armes, une sœur d'armes, quelqu'un avec qui tu peux vraiment partager les choses. Sébastien nous a parlé il n'y a pas longtemps et nous a rappelé que nos GSM. Il me semble que tu avais parlé du GSM pour le GPS aussi, non Tu n'avais pas utilisé ça dans une prédication Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le Saint-Esprit est notre GPS. Il est celui qui nous guide, qui nous montre le chemin à suivre. Mon fils, à qui je partageais ça hier, Stanley, merci, me disait, il y a aussi une autre idée, papa, qui est intéressante, c'est que dans les GSM, maintenant, il y a des puces de géolocalisation. Dieu sait toujours où tu es. Il ne te perd jamais. Il sait toujours où tu es. C'est beau ça, hein Merci, Stan. Mais il y a plein d'autres choses. Moi, sur mon GSM, j'ai une lampe torche. Quand je vais au poulailler, fermer les poules, moi aussi je fais ça, Fred, ben, j'allume ma lampe torche sur mon GSM pour aller dans le noir, fermer la porte du poulailler parce que j'ai un méchant renard dans le coin. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, on pourrait en trouver plein d'autres, mais je voudrais conclure là. Finalement, en observant l'usage que certains font de leur GSM, certains ils en prennent soin. Normalement, certains en prennent soin à outrance, certains le négligent, certains l'oublient au fond de leur sac, sont toujours injoignables, d'autres l'ont sans cesse en main, et en pleine conversation sérieuse, ne peuvent pas s'empêcher de vérifier pourquoi ça vient de vibrer. Ça, c'est moi. Le sac c'est elle, et l'autre c'est moi. Certains n'arrivent pas à le recharger, malgré que leur mari leur fournisse un superchargeur. D'autres se promènent avec une, une batterie portable au cas où ils se déchargent, pour être sûr de ne jamais se retrouver à court. Certains le surprotègent certains l'utilisent sans précaution. Il m'a vu quelqu'un l'utiliser pour essayer d'enfoncer un truc. Certains le laissent sonner n'importe quand. Ça n'a pas sonné tout à l'heure Certains le laissent sur silencieux tout le temps. ne peut jamais les joindre. Relève la tête là, oui, c'est à toi que je parle. Oui, Sébastien. Je ne l'ai jamais en direct. Mais il rappelle, deux minutes après. En observant comment nous gérons cet instrument, on peut parfois en dire long sur comment nous gérons nos vies chrétiennes aussi. Alors je conclus avec quelques questions. Posons-nous ces questions, chacun personnellement, ce matin, ici à Manage ou à l'hôpital ou à la maison. Posons-nous ces questions chacun pour nous-mêmes. Est-ce que je fais vraiment bon usage de la nouvelle vie que Dieu m'a donnée J'aurai des comptes à rendre. Savez-vous cela Dieu nous a donné la vie nouvelle. Dieu nous a donné ce, nouveau, ce nouvel outil pour communiquer avec lui. Mais nous aurons des comptes à rendre sur comment nous aurons utilisé ce privilège extraordinaire d'être en communion avec lui, de pouvoir être en communion avec lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir l'écouter. Nous aurons des comptes à rendre sur comment nous aurons utilisé notre nouveau GSM. Suis-je sur le bon opérateur, Jésus Parfois nous succombons à la pub. C'est moins cher ailleurs. C'est plus facile ailleurs. Et nous passons de Jésus à autre chose. Es-tu toujours bien sur le bon opérateur Il y a quelques temps, j'ai quitté Proximus pour passer chez Bèze. C'était moins cher. Et on pouvait récupérer les datas, bon, tout un bazar. Résultat des courses, quand je suis dans mon bureau, et que je suis assis à mon bureau donc, de ce côté-là. J'entends rien dans les communications, je suis obligé de me lever et d'aller à l'autre bout de mon bureau, m'asseoir sur l'évier, parce que là, je commence à capter. J'ai fait une super économie. Es-tu sur le bon opérateur Si tu n'entends pas bien, si la communication semble mauvaise, demande-toi si tu es toujours sur le bon opérateur. Troisième question, est-ce que je prends soin de recharger quotidiennement mes batteries Ce n'est pas la responsabilité de mon voisin. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. C'est ta responsabilité de recharger toi-même tes batteries. Est-ce que tu les recharges quotidiennement, voire plusieurs fois par jour si nécessaire Voire même, est-ce que tu laisses ton GSM au repos un jour sur sept Vous voyez de quoi je veux parler Le Seigneur nous demande de nous reposer un jour, un jour sur sept. Le dimanche de préférence, si c'est possible, mais moi je ne peux pas le dimanche. J'essaye de le faire le lundi, peu importe. Du moment de respecter ce rythme. Dieu a travaillé six jours, le septième jour, il se reposa. Et Dieu désire que le septième jour, nous ayons nous aussi notre septième jour où nous pouvons nous arrêter pour lui, pour nous, pour nous ressourcer. Qu'en est-il des mises à jour et des mises à niveau que propose ton Créateur régulièrement Est-ce que tu zappes Ma chérie, toutes ces choses-là, ça la dépasse hein, sur son GSM. Souvent, c'est moi qui vois la pastille rouge, disant, il y a une mise à jour à faire. C'est moi qui le fais pour elle. Parce elle ne voit pas trop l'intérêt. Et finalement, elle est bien heureuse. Parfois, il faut faire les mises à jour. Je pense qu'on est, on est gagnant, frères et sœurs. Quand on peut être comme David et dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est une prière qu'on peut faire régulièrement. Ne suis-je pas tombé dans le piège de l'activisme avec trop d'applications dans ma vie, m'amenant à ne plus avoir le temps de communiquer avec Dieu C'est l'exemple que je donnais aussi tout à l'heure. Dernière question, dans quel état est ta vitre Pourquoi gardes-tu une vitre brisée alors qu'elle pourrait être changée Jérémie 33, 3, Dieu dit, Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Nous avons un Dieu qui fait appel à nous, qui nous invite à l'appeler parce qu'il désire nous faire découvrir des choses extraordinaires. J'ai lu dans un livre que je suis occupé à lire en même temps que Philippe, l'histoire de Thomas d'Aquin. Vous avez déjà entendu parler de Thomas d'Aquin, probablement, c'est un nom que vous connaissez. Il a écrit une œuvre en 24 volumes sur, la vie, sur Dieu, sur la personne de Dieu. 24 volumes sur qui est Dieu, sa recherche pour apprendre à connaître Dieu. 24 volumes. Et l'histoire raconte qu'à la fin de sa vie, il a une vision de Christ. Et après avoir vu Christ en vision, il a écrit, tout ce que j'ai écrit, c'est que de la paille. Ça m'a touché, cette parole. Nous n'avons rien compris de Dieu encore, frères et sœurs. Nous avons encore tout à connaître. Nous avons encore tout à découvrir. Et nous passerons l'éternité à le découvrir. Nous serons dans l'émerveillement devant sa face pour l'éternité. Vous avez déjà été émerveillé devant quelque chose Moi, je suis sûr que quand Nicolas et Wendy ont vu Maïlis pour la première fois, il y a dû y avoir. Un sourire qui a fait le tour de leur... <laughs> je me souviens quand on m'a mis Timothée dans les mains pour la première fois... Vous connaissez ça, vous les parents, vous comprenez ce que je veux dire. Émerveillé. Ça, c'est une partie de moi, c'est un mix de moi et de ma bien-aimée. Mais c'est miraculeux, c'est dingue. Vous avez connu ça et vous le connaîtrez encore. Eh bien, cet état d'émerveillement, je crois que c'est ce que nous vivrons pour l'éternité en regardant Dieu face à face. Un sourire, une joie oh, pour l'éternité, frères et sœurs. Voilà, c'est une prédication un peu bébête, un peu rigolote peut-être, mais j'espère qu'elle vous parle. J'espère qu'elle vous encourage ce matin à reconsidérer votre vie spirituelle, à l'apprendre avec sérieux et à prendre peut-être les choix et les décisions qui s'imposent pour lui redonner la qualité qu'elle mérite. Dieu ne fait pas les choses à notre place. Dieu fait les choses que nous sommes incapables de faire. Mais les choses qui sont à notre portée, ce n'est pas lui qui les fait pour nous. C'est à nous à les faire. Que Dieu vous aide ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour l'assemblée de Bethel qui nous a suivis ce matin. J'espère que ta parole les a encouragés aussi, les a leur a parlé aussi. Je te prie pour les frères et sœurs qui sont restés bloqués à la maison à cause de la maladie ou à l'hôpital, et aussi pour tous ceux qui sont ici sur Connect. Seigneur, j'espère que ta parole aura pu éveiller dans les cœurs des uns et des autres le désir de mise à jour, le besoin de changer de vitre, l'envie de se recharger les batteries, l'envie de rétablir la communication. Tu es un Dieu merveilleux. Nous ne méritons pas ta grâce. Nous ne méritons pas ton amour, ta tendresse, ta fidélité, ta bienveillance, ta bonté tes bienfaits, tes bénédictions. Nous ne méritons rien en fait. Ces choses que nous méritions, c'était l'enfer et ta colère. Mais Seigneur, tu nous as aimés. Alors que nous étions tes ennemis, que nous te maudissions, que nous parlions mal de toi, que nous nous comportions comme des animaux, tu nous as aimés. Et tu as rétabli la communication en donnant Christ, ton Fils mourant mourant sur cette croix pour nous. Et Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as appelés. C'est toi qui es venu me chercher sur mon trottoir. C'est toi qui es venu chercher les frères et sœurs qui sont ici ou à Manage. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es venu frapper à la porte de notre cœur. C'est toi qui as tout fait, Seigneur. Et tu nous as donné cette vie nouvelle merveilleuse. Cette espérance merveilleuse. C'est toi qui nous as ramenés de la mort à la vie. Et c'est toi qui te languis de nous. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui désires tellement nous entendre. C'est toi qui désires tellement avoir une relation avec tes enfants. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous te tournons le dos. Pour toutes ces fois où nous négligeons ce si grand cadeau. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous refusons tes mises à jour. Où nous nous rebellons contre elles. Pardon pour toutes les fois où nous nous perdons dans toutes sortes d'activités et où tu passes au second, au troisième, au dernier plan. Seigneur, je prie que ce matin ton Saint-Esprit nous interpelle. Ton Saint-Esprit touche nos cœurs et nous rappelle à toi. Que nous soyons que cette prédication puisse être comme un aimant qui nous attire à toi et que nous puissions venir avec des cœurs repentants, sincères, avec confiance, avec assurance, au trône de la grâce. Père, dans le nom de Jésus, bénis-nous ce matin. Amen.